aujourd'hui pour cette vidéo, nous sommes au col de la Moutière et nous allons explorer le bunker qui se trouve derrière moi. Allez, c'est parti. Donc là, nous sommes dans le bloc d'entrée. Donc là, c'est les deux créneaux qui défendent l'entrée. Donc on a celui-ci qui est rentré directement vers la porte d'entrée. Celui-ci par le côté. Avec le bout de charge de lave. Allez, on continue la descente. Donc une belle porte blindée à l'entrée, là. Elle est bien balayée. Donc j'ai un wagonnet, toi 5 off, je pensais que ça wagonnet 5 off. Une petite pièce, c'est marqué, apparemment officier. Ah, c'est une chambre d'officier, oui, certainement. Là, on a le nom de l'ouvrage, ce nom du mec qui est tagué, Joaï. Alors on a une petite pièce sans plus. Ah oui, il a l'air balèze celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va faire attention à la plaque. Donc là, on a un stockage de charbon. Là. Alors, je sais pas si ça va ça. Bon, certainement, je pense qu'il est d'époque. Hein, il y a une quantité phénoménale. On va vivre. Donc là, faire attention à la petite poussière là. Là, on a une belle porte blindée, mais elle est monstrueuse. Avec un créneau sur la porte, un créneau de défense juste ici. On a une belle épaisseur de porte là. Le bon fonctionne encore. On va essayer de voir le créneau de défense. Je pense qu'il va avoir un petit FM, un petit fusil mitrailleur. Bon là, on tombe directement sur l'infirmerie. Ah, c'est sympa. Hop là, donc là, on va au sol. La bouteille, la gueule du verre, les pieds de l'époque, cette bouteille. Une toute petite, petite infirmerie. Un petit lavage servant. Là, je pense qu'on est sur le coin de toilette. Donc ici, les lavabos. Une belle vidange encore chromée. Là, c'est le. Ah, là, ça doit être un coin de douche parce qu'il n'y a pas de siphon au sol. Il y a des rideaux aussi. Il va y avoir un ballon un peu plus loin, certainement. Ouais, ici. Et là, c'est des latrines directes hein, avec le pied lisse à la turque. Avec le chasse-tirette, le lait noir. Ah,
Alors, j'ai pas pris de thermomètre, mais là, la température elle est vachement basse. Hein. Là, je pense qu'il doit faire 8-10 degrés. Le reste, c'est top en plein mois d'août quand il fait 40 dehors. Là, c'est du pur bonheur ici. Voilà. Une salle avec deux coffres. Là c'est une chambre, ça se voit directement, on a encore le lit. Donc là c'est un... Si je dis pas de bêtises, ce sont des lits pliables. Non, ils sont scellés ceci. On a déjà vu ce système, hein, je crois que c'est au Fort Saint-Roch. Les lits se rabattent et se plaquent contre le mur. Pour gagner de la place. Une petite prise. Alors le petit lavabo. Peut-être une chambre d'officier aussi ici. Hein. C'est un peu plus de confort que sur les autres chambres. Alors là, je pense que c'est les réserves. Les réserves d'eau ou de fuel. Alors là, ah ben voilà. Là, il y a une échelle en haut, l'échelle du bas est manquante. En haut de l'ouvrage, il y a une tourelle et il y a un bloc de défense un peu plus haut. Je pense que c'est l'accès pour y aller. Bon, je pense que je vais pas le faire. La prise de risque un peu grosse. Je suis pas équipé, j'ai pas mon cordage. Je n'ai pas la certitude que l'échelle du haut soit stable vu que la partie du bas a été démontée. Peut-être pour une prochaine fois. Donc là, on est sur le moteur de ventilation. Et là, on est sur des réserves. Alors, je sais pas si c'est des réserves d'eau ou de fuel. Bon, vu la quantité, j'irai d'eau. Je vois pas de filtre à fuel. Par contre, je vois pas de jauge de niveau non plus. Ah ben, donc, d'être pété, je pense qu'il va y en avoir une ici. Pété ou volé. Peut-être récupérer... pour la restauration d'un autre ouvrage, c'est possible. En tout cas, deux belles cuves monstrueuses. Alors, hop. Alors, il est vraiment pas mal celui-ci. Donc là, il y en a un qui a ouvert la porte au pied ici. Bon, je pense une chambre aussi. Pas de lit, cabane en bas. Voilà, c'est bien une chambre ou juste une cage, un PC peut-être. Un petit couloir. Alors là, on va faire gaffe parce que les murs se barrent. D'accord. Alors là, je sais pas où c'était. Bon, il y a un très très bon couloir pour accéder à cette petite pièce. Donc au sol, c'est dallé. C'est un peu sonné. Peut-être une chambre d'officier, peut-être la chambre du commandant. C'est un peu mis à l'écart. Pas d'installation spécifique à l'intérieur en prime, donc alors, bon, par ailleurs, je regarde cette indication sur la porte, il n'y en a pas. Là, on voit qu'il y a une salle pour radiateur avec le départ et le retour. Un radiateur qui est manquant, bien sûr. Donc là, pour moi, c'est une chambre ici, hein, je pense. Petite chambre. Enfin, une petite chambre, pas mal quoi. Les ventiles.
Alors, là, pareil, des réservoirs. On l'a ça en bleu. C'est en bleu, mais par contre là, c'est spécifiquement l'emplacement des moteurs, enfin, des groupes électrogènes. Hein. Donc là, les moteurs sont encore, donc ils ont été pris. Alors comme je dis, hein, c'est soit pour s'équiper dans notre fort en restauration, alors ça a été volé. Et voilà, là, c'était l'emplacement des moteurs. Donc il manque tout l'équipement au mur. Hein. Pratiquement tout, je pense que ça a dû se retrouver dans un ancien bunker. Petite pièce. Il manque quelque chose ici aussi. C'est pas. Ça gagne un peu vite. Radiateur, il manque avant le tuyau qui s'est découpé. Pas d'explication sur la porte. Ça arrive qu'on ait des indications sur les portes. Des fois, c'est stipulé le type de pièce qu'a été. On voit qu'il y a un lavabo. C'est une petite pièce spécifique. Une petite pièce spécifique. Peut-être du stockage de munitions. Ou peut-être du stockage de vivres. Apparemment, là, je pense que c'était qu'on était dans la cuisine. Parce que là, il y a un poêle, un ancien poêle, en piteux état d'ailleurs. Et là, on voit qu'il y a un gros conduit de ventile, comme si c'était l'aspiration. Donc, à mon avis, les deux petites pièces, là, c'était le stockage des denrées. Voilà, il y a écrit rangé sur la porte. Ah oui, d'accord. Je comprends mieux pourquoi le nouveau danger est inscrit. Hop, ok, j'ai un pied trempé. Hello, on va voir. Allez, on va ressortir. Hop. Donc là, on est sur le moteur de ventilation. Et là, on est sur des réserves. Alors, je sais pas si c'est des réserves d'eau ou de fuel. Au vu de la quantité, j'irai d'eau. Je vois pas de filtre à fuel. Par contre, je vois pas de jauge de niveau non plus.